Donc bref donc genre concrètement du coup bref donc Salut, je reviens pour une nouvelle vidéo. J'ai enfin une chambre où je peux parler, où ça va assez tranquille parce que mes colocs ne comprennent absolument que dalle. Je viens parler aujourd'hui de mon expérience avec l'auto-école, qui était vraiment la pire auto-école de Lyon. Enfin bref, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je viens donc vous raconter mon histoire avec mon auto-école qui était vraiment un peu chaotique. J'ai commencé à essayer de passer mon permis en 2016 et j'ai eu mon permis en 2019, donc j'ai pris 3 ans. C'était un peu le plus gros échec de ma vie. Mon père voulait que je passe le permis le plus vite possible, donc il voulait que je fasse une sorte de stage de code. Comme ça, je passais 3 jours à faire du code intensif, après je passais le code. Ensuite, je faisais un stage intensif de conduite qui durait une semaine. Après, tu rajoutais quelques heures, tu passais le permis et voilà. Effectivement, j'ai pris donc 3 ans, donc ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Donc j'ai passé le code, tout s'est plutôt bien passé. Et j'ai eu mon code à 36 sur 40. Alors je sais pas si ça a changé aujourd'hui, mais moi quand je l'ai passé, c'était 5 fautes. Donc plutôt bien. Ensuite, est venu du coup de passer à la conduite. Je commence ma conduite avant de faire le stage de conduite. J'avais un moniteur de conduite qu'on va appeler Gérard. Donc j'avais donc mon moniteur de conduite qui s'appelait Gérard, qui était franchement un mec trop cool. Donc jusque là la conduite ça allait bien et c'était vraiment mais genre un mec trop sympa, hyper cool. Il était mais genre hyper poli mais genre trop bien. Il m'a grave mis à l'aise et tout. Du coup mes 4 premières heures elles se sont bien passées. C'était du coup mon moniteur attitré, je sais pas comment on appelle ça. Ensuite est venu donc ce fameux stage de conduite de une semaine avec un autre moniteur de conduite. Le matin j'avais donc 4 heures de conduite, 2 heures où je conduisais, 2 heures où j'observais une autre personne qui était avec moi dans la voiture. Ce qui, je vais pas vous mentir, observer c'est bien, mais observer pendant 20 heures, je m'endormais un peu moi derrière. C'était ça et après l'après-midi c'était 4 heures aussi où du coup on apprenait sur des routes où il y avait personne ou sur un circuit. En gros on conduisait mais à la fin on connaissait juste le circuit par cœur. Et en plus on dépassait pas la deuxième voire troisième vitesse grand max. On nous faisait juste faire 2-3 manœuvres. Ah, faut que je me dépêche, je vais être en retard. Oula. Je change de moniteur, je passe avec un homme que l'on va appeler Sylvain. Donc je me retrouve avec Sylvain et donc on commence le premier jour, ça passe à peu près. Il me fait comprendre que je suis débutante, que mes heures de conduite c'est comme si j'en avais fait 0, qu'il va falloir tout recommencer parce que c'est un peu chaotique. Je me dis bon, déjà ça commence mal, pour avoir le permis en peu moins d'une semaine comme voulait mon père, c'était un peu foutu. C'est un peu à cran la conduite mais ça va. Le deuxième jour arrive et là commence le chaos de cette histoire. En gros, j'avais super peur de caler. Et j'avais jamais calé jusque là. Et Sylvain se dit: mais pourquoi tu conduis comme ça? En fait, t'as peur de caler. Effectivement, j'ai peur de caler. Oh là, mais attention, ça s'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Et là je dis: oh là, ça va être une catastrophe. Parce que depuis le début, il arrête pas de me dire que, en gros, que je suis mauvaise, que je vais jamais avoir mon permis, machin, que je fais que des erreurs. Donc moi je suis là, hyper crispée comme ça sur mon volant. Et on avance et on arrive à l'entrée d'un rond-point. Tu touches pas au pédale, juste on va avancer. Et là il arrive, et boum, on cale. Sauf que du coup c'est pas moi qui ai les pédales, c'est lui. Il a fait exprès de me faire caler au moment où tout le monde est en train de rentrer sur le rond-point. Et là, en plus on est en pente, donc c'est démarrage en pente. Je suis là, comme ça. Et il y a tout le monde derrière qui se met à klaxonner parce que comme on est super beaucoup en pente, ma voiture elle reculait. Et lui il a rien fait, hein. Après, il se dit je vais freiner, donc moi je freine d'un coup en me disant putain je vais rentrer dans la voiture de derrière. Je reprends les pédales, je redémarre machin et il me dit: c'est que le début. Je me dis oh là là, quelle catastrophe. Et à ce moment là je me retrouve avec des actions incroyables. Dès que je démarrais, ou il y a des moments, j'allais démarrer et puis freiner d'un coup, piler comme ça là, en plein milieu de la route. Il y a un moment, on était sur une route à 70 et Sylvain, quelle joyeuse idée, se dit: laisse-moi prendre les pédales, on est à 70 et d'un coup il freine hyper fort en plein milieu de la route. La voiture elle fait un bruit et j'ai cru qu'on allait foutre en l'air les freins. Donc Sylvain
Quelle bonne idée, une route à 70, freiner d'un coup pour dire « Oh bah ça fera comme si t'avais calé !» Quelle drôle d'idée, Sylvain. Quel petit rigolo. Au bout d'un moment, je me retiens de pleurer, j'en ai marre. Le troisième jour arrive, mon père m'emmène à l'auto-école le matin, et j'étais là et je rentrais dépitée tous les soirs, et donc le matin je pars dépitée aussi, hyper stressée, genre en mode dans la voiture j'étais comme ça, en train d'hyperventiler, et mon père me dit « Ouais, tu veux que j'aille le voir, c'est si loin que j'aille lui casser la gueule !» Et moi j'étais là « Non !» Donc quand tu parles d'un prof, que t'es au collège, tu dis « Ouais, je suis sûre, ce qu'on m'affiche même pas !» Ou t'as une embrouille avec un pote et genre, tes parents ils disent « Ouais, tu veux que j'aille au collège, j'allais leur casser la gueule !» Mais là c'était tout pareil, même que l'auto-école. Horrible, bref, je me retrouve donc bah, un jour de plus à côté de ce fameux Sylvain qui en plus est à côté de toi, dans la voiture avec son portable, il regarde à peine ce que tu fais sur la route, mais par contre, dès que c'est pour venir freiner sur une route à 70 km/h, il est présent. Bref, arrive ce fameux troisième jour, il arrête pas de me dire qu'en gros, j'aurai jamais mon permis, il est là avec sa grosse voix. De toute façon, Jeanne, t'auras jamais ton permis. De toute façon, Jeanne, même avec 60 heures de conduite, t'auras jamais le permis. Il était pas loin de la réalité, grâce à lui. Toute cette journée, il me dit qu'en gros, je suis trop mauvaise. Et je suis là en mode, j'essaie de garder ma dignité. Et là, à un moment, je fonds en larmes et il me dit « Ah mais pourquoi tu pleures? Ah mais faut pas pleurer, tu sais. Je dis ça, mais c'est un peu vrai, mais bon... » Je sèche mes larmes comme ça, je suis en train de chialer dans la voiture avec le nez qui coule. Bref, les autres jours passent, pareil, chaotique. Il est vraiment sur son portable en train de regarder je sais pas quoi ou de jouer à je ne sais pas quel jeu. Il s'en bat les steaks de ce qu'on peut faire dans la voiture. Donc finalement, j'arrive à la fin du stage. On me dit que normalement, pour que je passe mon permis, ils avaient prévu que je fasse 30 heures de conduite. 30 heures de conduite qui dans cette auto-école était particulièrement chère par rapport aux autres auto-écoles de Lyon. Le Sylvain me dit qu'il va falloir au moins 40 parce que je sais même pas démarrer la voiture, parce que je suis trop mauvaise. Tranquille frérot, je sais quand même démarrer une voiture, je viens de faire un putain de stage de putain de 5 jours à tes côtés. Bref, le temps passe, je retrouve mon ancien moniteur, dit que c'est dommage parce que j'ai pas fait de progrès. Lol, j'ai pas fait de progrès pendant le stage. Enfin, bref, arrive le moment où mon moniteur me dit on va te faire passer au permis, t'as 30 heures. Ils me disent on va t'envoyer au permis blanc. Donc le permis blanc, genre comme un bac blanc, mais pour le permis, donc on te fait un faux examen et à la fin t'as une note. J'arrive dans un état pas ouf, mais alors clairement pas ouf du tout. Je passe le permis blanc, mais ça va être une catastrophe. Effectivement, c'était une catastrophe, je n'avais même pas la moyenne pour passer le permis. Et là, j'ai pas mon permis blanc et on me dit « Oh bah c'est pas grave, on va quand même t'y envoyer, on pense que tu peux quand même faire des efforts. » Faire quels efforts? Je peux pas faire l'effort de conduire bien. J'essaye déjà en permanence de conduire bien. Je ne peux pas faire plus et je ne sais pas bien conduire de toute façon. Je pense que t'es prête. Est-ce que t'es prête dans ta tête? Moi je suis là en mode « Non, je ne pense pas être prête dans ma tête. » Bon bah c'est pas grave, on va quand même essayer de te faire passer, il faut du challenge, pourquoi? J'étais en mode « Je veux juste tuer quelqu'un sur la route, mais c'est pas grave. » J'étais pas prête. Donc on m'envoie au permis, même si j'ai raté ce fameux permis blanc, ce qui n'est pas du tout logique, mais ma foi. Forcément je me loupe, j'ai fait une faute éliminatoire dès les 30 premières secondes, ou faute éliminatoire deux fois. Un peu chaotique. Finalement j'ai rendez-vous la semaine d'après à mon auto-école, où on me dit « Ah mince, t'as raté, mais c'est vrai qu'on pensait que t'avais peut-être pas le niveau. » Et je suis là en mode why? Heureusement que je passe pas le permis de parachutiste parce que sinon j'étais foutue. Donc ils me disent bon bah on va juste te redonner 4 heures et tu repasses ton permis la semaine prochaine. C'est pas 4 heures qu'il me faut, c'est 10 heures de conduite. Et là j'ai mes deux dernières heures, mon deuxième passage au permis. Tu as ton heure avec Sylvain. Sylvain qui me déteste, je ne sais pas ce que je lui ai fait, à quoi j'avais tué sa daronne. Donc il rentre dans la voiture et fait ah Jeanne, ça fait longtemps hein, t'as toujours pas le permis. On démarre et on fait des petites routes de ville autour de mon auto-école. Il me dit bon tu prends la troisième sortie. Et je suis là en mode bah ok mais laquelle? En gros il y avait deux ronds-points, enfin deux giratoires collés comme ça. Première, deuxième, troisième. Troisième c'était la sortie pour l'autre giratoire où tu repartais, tu faisais le tour et là t'avais d'autres sorties. Il me dit bah enfin Jeanne, t'es trop calme quoi, tu sais pas rentrer jusqu'à 3. On part sur 2 heures de pur plaisir. Donc j'arrive au giratoire et je lui redis donc celle-ci pour le giratoire, il me fait ah oui, non mais enfin, tu comprends rien, t'es sûr de quoi? Bah encore la troisième, sinon je t'aurais pas dit la troisième. Top. Oui c'est bon, oui c'est bon, oui c'est bon. Et là il se retourne vers les deux mecs en observation. Eh, hey, allez, j'avais un morceau de permis hein.
parce que... Encore très encourageant, Sylvain, merci beaucoup. À chaque fois que je pose des questions, mais il est quand même ou quoi? Et à la fin, il me dit... Bon bah, on sait très bien que tu l'auras pas, hein. Mais bon courage quand même, hein. Top. Je pars pour la deuxième fois au permis, et ça se passe... Bah pas bien, forcément. Tout le monde l'a loupé sur les 8 personnes, on a tous eu une faute éliminatoire. Il m'a quand même mis une faute éliminatoire parce que j'ai pas tourné la tête assez vite pour ma priorité à droite. Et là je me dis, oh, j'ai plus jamais envie de conduire de ma vie. L'auto-école m'appelle pour me dire qu'il va falloir revenir et voir quand est-ce que je pourrais passer le permis une troisième fois et qu'il y a des disponibilités pour le passer dans genre 4 jours. J'ai fait la morte, genre pendant 3 mois j'ai arrêté de répondre à l'auto-école parce que j'avais juste peur de les entendre. Je n'existe pas, personne ne me téléphonera. Je répondais plus, ils m'appelaient tous les jours et je répondais pas. J'ai juste arrêté de répondre et eux ils ont juste arrêté de m'appeler. Et j'étais là en PLS, je n'aurais jamais le permis, c'est vraiment l'échec de ma vie. Je reçois un appel, mais genre un appel, un 06, un portable. Et là j'entends Gérard, donc mon moniteur, me dit, bah alors Jeanne, on a disparu? Non. Je suis là, prête à retourner dans mon chaos. Bon bah, va falloir prendre rendez-vous, qu'on voit quoi faire pour résoudre le problème. On se dit, bon, on va me passer en conduite supervisée, mon père pourra m'aider. Et heureusement, ça s'est hyper bien passé, mon père m'a hyper bien préparé. J'ai eu le permis, j'ai le permis à je sais plus combien c'est le point, le permis, c'est 31 je crois. J'ai eu 30 sur 31, genre... pilote de ligne. L'auto-école m'appelle pour me dire, bon, il va falloir faire la photo parce qu'il faut une photo avec ton moniteur, voilà. Et on me dit, eh bah ton moniteur il est pas là, il est en heure de conduite, c'est pas grave, au pire on prend quelqu'un, on prend une photo avec, ça ira. En attendant, je dois faire des papiers, je sais pas quoi, je dois répondre à des questionnaires. Et là la secrétaire s'avance vers moi et me dit, Jeanne, oublie pas, il va falloir la laisser en avis. Comment ça, laisser en avis? Il va falloir la laisser en avis. Oublie pas Facebook et Google. Tu mets un avis, tu mets 5 étoiles. Même si, pense pas, mais bon. Tout le monde le pense ici, les 5 étoiles. Ah bah j'ai Facebook, mais c'est mon compte de quand j'avais 14 ans et Ah mais c'est pas grave, sinon retrouve ton mot de passe. Tu sais, tu peux faire mot de passe oublié. Ah oui, je vais essayer. Oublie pas, après c'est dans tes mails, hein. Si tu veux, je peux le faire à ta place, hein, sur l'ordi. Je peux même mettre ton mail et ton mot de passe oublié. Tu veux pas rentrer dans ma vie non plus? Tranquille. C'est sur mon ancienne adresse mail, mais j'ai plus le mot de passe non plus. Et bah, tu peux créer un nouveau compte Facebook juste pour mettre un avis si tu veux. Ouais, je rentre chez moi. Bon bah, je vais mettre l'avis Google. Est-ce que tu veux que j'écrive l'avis à ta place? Si tu veux, je te le dis. Tu mets super expérience dans cette auto-école. Tout le monde a été super sympa. J'ai eu mon permis du premier coup. Attends, tu l'as déjà eu du premier coup, hein? Non. Troisième fois. Oh, mais c'est pas grave, sinon tu peux toujours l'écrire. C'est pas grave, tout le monde y croira. Oublie pas, hein, on va t'envoyer d'autres questionnaires. Tu répondras que t'as vraiment adoré ta vie ici. Est-ce que tu veux qu'on aille chercher les autres personnes qui ont contribué à ton permis? On a Sylvain dans les bureaux. Non, tranquille, moi je veux juste me tailler avec mon permis et tranquille, bye bye. Et je suis partie, je me suis dit, alléluia, enfin, je ne verrai plus cette auto-école où on t'apprend que dalle sur un circuit où tu dépasses pas la première avec des gens qui n'ont fait que m'insulter pendant des heures qu'on m'a envoyé au permis alors que j'étais clairement pas prête et je l'ai dit et on m'a refait passer le permis encore et encore et encore. Horrible. Et vraiment qu'on me demande de mettre des avis 5 étoiles, de dire que j'ai mon permis du premier coup alors que pas du tout. Genre non. J'ai des autres potes qui ont passé le permis là-bas et tout le monde m'a dit que c'était une cata et tout le monde l'a loupé là-bas. Si vous habitez à Lyon, vous saurez peut-être quelle école c'est parce que je n'ai pas envie de me faire poursuivre en justice. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Tu peux toujours mettre un pouce en l'air. Tu peux toujours laisser en commentaire ce que tu veux. Et puis n'hésite pas à t'abonner. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, que vous allez bien, que vous n'êtes pas positif au coronavirus, que 2021 se passera bien pour vous. Et voilà, bisous. Salut.